pour cette émission sur les débats sur l'actualité. Comme vous le savez, votre émission, le thermomètre de la RDC commence à 10h, mais malheureusement, à cause de cette grande publicité d'abattu sur la ville de ce matin, nous n'avons pas pu commencer à temps. Mais n'empêche, nous sommes là et nous recevons sur la plateau deux invités. La première personne à recevoir, c'est M. Oscar Lampoussa, qui est analyste politique. Ensuite, M. Félix Ayemé, qui est communicateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Avec vous, bonjour, on va parler de plusieurs sujets. J'espère qu'on aura vraiment le temps de venir tout ça. On va d'abord parler de la déchéance à l'Assemblée nationale, du ministre de l'Économie nationale, du boycott de la loi électorale par les députés des Francs pour le Congo, et ensuite les propos jugés tribaux de la députée Dominique Bounou. Alors, voilà les thèmes dont nous allons parler aujourd'hui avec vous. Je vous ai déjà dit bonjour, donc on va directement se lancer dans le débat. Merci beaucoup d'abord, madame, pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion aussi de saluer mon co-débatteur, monsieur Oscar. Merci. Je salue aussi tous les téléspectateurs de la PIC TV. Vous savez, c'était une grande émission qui a beaucoup suivi, avec 2 mois d'arrêt par rapport aux travaux qui s'effectuaient en ce lieu. Nous tenons d'abord à remercier les patrons de la PIC TV, monsieur Anissé, puis madame Nadine Chilombo et vous-même. Madame Lilas, pour ces beaux cadres, nous avions trouvé ces cadres vraiment rénovés et nous disons merci pour ces travaux. Et donc, vous êtes maintenant au niveau des standards, je peux même dire international. Ça fait du bien lorsqu'on est dans ces beaux plateaux comme celui-ci. Félix Kaimbe, cadre de l'IDPS, coordonnateur de la dynamique des intellectuels et au changement, une structure, bien entendu, qui est affiliée à la Ligue des Jeunes, selon ce que nos statuts nous demandent. Donc, toutes les associations doivent être affiliées à la Ligue des Jeunes. Nous sommes déjà au niveau de 5 provinces. Nous continuons notre chemin. Nous croyons certainement que Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions arriver à atteindre toutes les provinces. La question que vous aviez posée, madame, je me dis, écoutez, les députés ont fait leur travail, mais il faut dire aussi, c'était juste pour que nous puissions trouver une solution au problème de pénurie, des carburants, les Saint-Charles et autres, mais je me suis rendu compte que c'était une décision prise à la précipitation. Pourquoi ? Parce qu'il avait fallu d'abord que l'on puisse initier une motion, je vais dire une question orale avec débat, pour que les ministres puissent se donner cet exercice-là, bien entendu, d'explication pour rencontrer les aspirations, les questions qui pouvaient être posées. Mais malheureusement, nous avions tout simplement a remarqué que c'était une motion de défiance au lieu de passer par une motion, par une question orale avec débat. Deuxième des choses, moi je suis en train de voir aujourd'hui comment est-ce que nous avons toujours cette question des pénuries des carburants, nous avons la hausse des prix sur les marchés, mais cela ne veut pas dire que c'est la mauvaise gouvernance du gouvernement Samalo Kondé avec le ministre de l'économie, parce qu'il faut dire jusque-là, il est encore ministre, il n'a pas encore démissionné. Et la crise est mondiale, madame. Et d'ailleurs, ici chez nous, nous nous rendons compte quand même qu'on a eu à bien gérer cette crise. Parce que quand vous regardez ici à Brazzaville, au Rwanda et partout ailleurs, le litre des carburants, c'est déjà au-delà des 2 dollars. Les arrêts alimentaires, c'est vraiment un prix trop élevé qu'ici chez nous. Quand vous arrivez, madame, aux États-Unis, même le président américain a demandé que l'on puisse mettre une commission en place pour voir comment est-ce qu'on doit réguler les prix des carburants. Donc, avec la guerre qui se vit entre l'Ukraine et la Russie, ça a provoqué pas mal de choses, même pour les pains ici. Vous allez vous rendre compte que les blés nous proviennent, bien entendu, de l'Ukraine. Et donc, ici, nous avons un problème sérieux. Bon, je comprends tout simplement que c'était une motion alimentaire, et ils ont fait partie les ministres, mais jusque-là, le ministre a dit il a encore le droit de saisir la Cour de cassation pour que l'on puisse dire les droits. S'il doit être rétabli, il doit être rétabli. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on doit faire partie un ministre, d'ailleurs, que moi j'ai toujours dit, qui est compétent dans son secteur, parce que si aujourd'hui, les prix des billets d'avion ont baissé, c'est ce ministre-là. Si aujourd'hui, on a eu à geler
à gérer la question des carburants. C'est ces ministres-là. Si aujourd'hui encore, on a eu à prendre la problématique pour la baisse des prix des médicaments, c'est ces ministres-là. Et donc, je dis, il ne fallait pas que nous puissions aller directement à la motion de défiance. Il avait fallu peut-être que l'on puisse l'encadrer. Il y a même des commissions, je vais chercher par là, madame, il y a des commissions au sein de l'Assemblée nationale où on invite les ministres, on l'entend, on donne des conseils, on l'oriente même sa politique. Et donc, nous regrettons cela. Bon, c'est léger démocratique, mais nous notons à dire que c'était une motion alimentaire. Alors, dites-moi, M. Loukoussa, quand on parle de cette motion alimentaire, vous y croyez? Parce qu'il faut dire que on date le plus les députés de Ensemble pour la République en parlant de motion alimentaire, puisqu'il faut dire qu'ils sont de l'Union sacrée. Mais ceux qui sont de l'Union sacrée aussi, comme Félix Kayembe, et qui sont députés, pensent que la motion est plus qu'alimentaire. Plus alimentaire que, on va dire, parler d'un contrôle. De quoi? Un contrôle parlementaire. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Madame Lilas. Et je dirais d'abord bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue aussi mon co-débatteur en face de moi. Je sais que vous avez aligné des sujets très importants aujourd'hui. Parlant de la déchéance ou soit le départ du ministre de l'Économie, d'ailleurs, qui a refusé d'abord de déposer sa démission, parce que la procédure pour laquelle il a été destitué, c'est vraiment une procédure qui était biaisée, selon moi, selon mes analyses. Il faudrait comprendre que les députés nationaux, parfois qui étaient instrumentalisés sous les chocs des billets verts, justement pour diligenter une motion de défiance contre le ministre de l'Économie. On a vu quand même, quelques jours après le départ de Jean-Marie Kalumba, il y a eu un problème sérieux des carburants, il y a eu un problème sérieux même des transports en commun. Les Congolais, les Quinois ont vraiment souffert, non seulement les Quinois, mais à travers toute la République, toutes les provinces, nous avons compris qu'il y a eu un problème très sérieux du carburant. Ça, c'est de un. De deux, Jean-Marie Kalumba ne peut pas aussi être quand même exempté comme tel. On sait qu'avec le gouvernement Samalou Kondé, c'est un gouvernement qui a d'abord démontré ses limites. Parce que c'est un gouvernement, parfois, on l'appelait le gouvernement des Warriors. Tous les Congolais attendaient de ce gouvernement avoir la solution. Et le social quand même aisé. Mais aujourd'hui, on commence à nous présenter vraiment un scénario à la primature, un scénario au sommet de l'État. C'est parfois ce que nous décrions. J'ai suivi mon co-débatteur qui évoque le problème qui dit le blé que nous utilisons pour le pain, ça provient de l'Ukraine. Mais ça, je ne sais pas si c'est la politique de l'île des pêches. Est-ce que pour nourrir la population congolaise que nous sommes, nous avons besoin d'aller recourir à l'Ukraine pour avoir le blé? J'ai vu au Cameroun, on cultive d'abord le maïs. On vend le pain, on dit ça c'est le pain du maïs, ça c'est le pain du manioc. On expose comme ça et les gens achètent. On n'a pas besoin d'aller prendre le blé en Ukraine pour que la population puisse avoir du pain. Et aussi, avant même que la guerre ne puisse commencer en Ukraine, on avait déjà compris que le pain ici à Kinshasa, le pain Victoire, avait diminué déjà les volumes. C'est pas la question. Nous, lorsqu'on était enfant, quand on nous achetait d'abord le pain, papa sort, maman sort, on nous achète le pain, on vient avec ça. On commence d'abord par manger vraiment la partie interne c'est ce qu'on tirait, on mangeait, et parfois on laisse un peu la partie externe, on dit on ne mange pas. Mais aujourd'hui, quand vous avez ce pain-là, vous donnez à l'enfant, l'enfant ne sait même pas où toucher, où il veut commencer à toucher, il veut commencer à couper par où. Ça veut dire ça, vraiment, c'est une limite, une gestion qui est calamiteuse. Pour un je warrior, ne sais pas. Quand même, donc warrior, ça veut dire celui qui va donner la solution. Je dis, d'ailleurs, je suis en train de penser même que non, on avait commis d'abord une bavure de faire partir Pepe Ilunkamba. Pepe, quand même, avait montré aussi qu'il était capable de faire quelque chose. On se pose des questions, est-ce que le renouvellement de la classe politique, c'est le fait de remplacer les jeunes par le vieux? Ou ça se fait comment? Parce qu'avec la présence... Vous savez bien que Pépé, avec, quand vous l'appelez, ce avec, qui lui était reproché, c'était de faire obédience à Kabila. Et non, mais c'est lui qui fait allégeance. C'est lui qui fait mener allégeance au président de la République. Qu'est-ce qu'il a produit comme travail? Nous savons tous, quand vous allez sillonner partout à travers la République, vous posez la question à tous les Congolais, ils vont vous dire le bilan est chaotique. Tout ça, on ne peut pas seulement voir le président de la République parce qu'il y a le premier ministre qui doit gérer l'action gouvernementale. Il y a le premier ministre Samalou Kondé qui est quasiment inexistant. Parfois, on le voit seulement dans des voyages, on le voit seulement dans des photos, on le voit seulement à côté des investisseurs, mais on ne voit pas Samalou Kondé vraiment actif pour s'acquérir de la situation de la population congolaise. Quand nous parlons maintenant du départ de la motion de défiance qui a été votée contre le ministre Jean-Marie Kalumba, on sait que le billet vert avait circulé. Il y a même des les billets verts avaient circulé. Il y a les députés qui a déposé d'abord cette motion, mais avait été sudoyé, avait reçu des billets verts par-ci par-là. Non seulement même par des originaires, pas par des Congolais, mais par des personnes qui sont ici. On parle des Indo-Pakistanais. Absolument.
nous avons toutes les informations possibles. Alors, maintenant, vous avez compris que quand Kalumba est parti, c'était la joie des Indo-Pakistanais. Ils étaient vraiment en joie. En quoi pourquoi parce que la mission... Monsieur Loukou, ça, on voudrait savoir quand même. En quoi Jean-Marie Kalumba faisait ombrage à, ses, à tous ces, ces opérateurs économiques qui sont expatriés et, madame, il faudrait d'abord savoir une chose. Vous savez, Jean-Marie Kalumba, moi, je ne le soutiens pas que non, c'est un ministre excellent dans les gouvernements. C'est tout ce que je n'ai pas dit. Mais je suis en train d'évoquer les éléments pour lesquels Jean-Marie Kalumba a été injustement éjecté de son fauteuil. Mais je n'ai pas dit qu'il est excellent. Mais si j'attaque à cette procédure de le faire partir, qu'est-ce une procédure biaisée, c'est parce que Jean-Marie Kalumba, comme l'a dit mon co-débatteur, on aurait dû commencer d'abord par une question orale avec débat. Comme ça, on doit commencer même avant d'abord de limoger quelqu'un, avant de tuer quelqu'un. Il faudrait quand même l'écouter, l'entendre. Qu'est-ce qui est arrivé ? Madame, est-ce que vous pouvez imaginer que le président de la République, lorsqu'il est arrivé au sommet de l'État, il nous a promis les bâtons de pêche. Est-ce qu'il était important de défalquer une somme si importante, donner au ministre de l'économie pour aller nous acheter des poissons en Namibie? Mais ça fait honte. Pendant que nous avons l'océan ici, nous avons le fleuve Congo, nous avons des lacs. On aurait pu peut-être... Pourquoi ne pas chercher des bâtons de pêche pour que les Congolais puissent, avoir des, pour, puissent manger des poissons frais? Mais on fait recours à la Namibie, prendre l'argent, donner à Kalumba. Quand il est parti, Kalumba s'est comporté aussi comme quelque part là, comme quelqu'un, vous savez, vous êtes dans la famille, nous sommes tous affamés. Mais on appelle quand même l'enfant, on lui dit, prends cet argent, tenez comme ça la ONG, va acheter comme les histoires à manger. Et quand il part, toute la famille est affamée, il part à son retour, il ne rentre pas avec les histoires à manger, il ne rentre pas avec l'argent. On lui demande, il commence à faire des jeux. Mais on, il rentre quand même avec des bonbons, parce qu'on a quand même vu... on a quand même vu des chinchards. On n'a rien vu. Mais quand vous parlez de chinchards, madame, est-ce que ces chinchards-là ont été utilisés au Congo central? Est-ce qu'on a été utilisé? Kinshasa, la République, ce n'est pas seulement Kinshasa. Lorsqu'on parle de la République, nous devons voir toutes les 28 provinces. On ne peut pas acheter quelque chose pour Kinshasa. On dit non, on a fait un travail. Non, madame. J'ai suivi encore mon co-débatteur a évoqué le problème des billets d'avion. Mais ça fait quand même honte. Lorsqu'on parle du billet d'avion, mais pendant que nous n'avons pas d'abord les avions en question. Kabila est parti, nous a laissé avec deux ou trois avions. Et trois avions qui étaient d'abord en location même, je crois en location. Mais à, pour le moment, nous sommes à quel niveau? Est-ce que nous avons les avions? Le problème n'est pas seulement de baisser le prix des billets, des billets d'avion, mais c'est d'acheter les avions. Vous allez baisser le prix du billet pour, avec l'avion. Les gens doivent voyager comment? Vous pouvez mettre aujourd'hui le billet à 50 dollars. Moi, je partais un jour, j'ai quitté Kinshasa, je partais à Kananga. Madame, j'achète le billet, on me dit non, le voyage c'est le vendredi à 8h. À 5h, déjà, soyez à l'aéroport. J'arrive à 5h à l'aéroport, on me dit, donc avant même que je parte, il n'y avait eu aucune communication, il n'y avait eu aucune information, mais j'arrive là, on dit les vols, eux reportés. Les vols reportés, pourquoi? Parce qu'il y a eu. On a connu ça avec les vols domestiques. Absolument. On comprend que le problème qui est là n'est pas seulement pour jeter des éloges, pour dire Kalumba, c'est un ministre excellent. Kalumba n'a rien fait. Kalumba aussi, c'est aussi quelqu'un qui a aussi raté vraiment sa sortie dans ce gouvernement à Samalukonde. Voilà pourquoi nous, depuis très longtemps, nous avons dit que le président de la République doit remanier ce gouvernement, parfois qu'il n'arrive pas à sauver vraiment. En commençant par la tête. En commençant par la tête, doit partir. Est-ce que vous sentez que non, il y a le premier ministre dans ce gouvernement? Alors, que va-t-il arriver, monsieur Félix Kayembe? Maintenant qu'il ne veut pas partir, le ministre. Merci beaucoup pour la question. On nous dit quelque part, puisque nous les journalistes, on a toujours nos oreilles qui traînent un peu partout, on nous dit quelque part que c'est lui-même le chef qui lui dit « tu ne partiras pas ». Oui, madame Lias, je pense que je vais rencontrer beaucoup d'éléments que votre invité a eu à soulever ici. Oui. Mais écoutez d'abord, c'est mieux de parler lorsque l'on a une information. Je me rends compte qu'il est vraiment moins informé par rapport à la question de... des bleus. Vous savez, pour que vous puissiez cultiver les bleus dans votre pays, vous devez avoir un climat froid. Ce n'est pas que vous allez arriver dans un climat tropique ou tropical et que vous puissiez avoir les bleus. Ça, c'est l'information que vous devez noter pour la vie. Ici, chez nous, à la République démocratique du Congo, nous n'avons que Tchela. Au lieu dans le Bas-Congo, où il fait froid, on peut cultiver les bleus et les bleus doivent pousser là-bas. Et aussi bien à l'est du pays, une partie de l'est du pays, on peut cultiver les blés. C'est depuis la nuit des temps que nous avions toujours importé les blés. Pourquoi? Parce que notre sol ne permet pas que nous puissions cultiver les blés ici. Donc, je ne vais pas comprendre comment est-ce que votre invité n'a pas cette information. Pourtant, il faut avoir cette information. Deuxième chose, il vous dit que c'était une erreur de faire partir Ilunga Ilunkamba. Écoutez, je me dis, soit on fait la politique ou soit on fait du théâtre. Vous avez un premier ministre qui pouvait refuser d'obéir aux instructions du chef de l'État
alors que tout le monde pouvait se retrouver à l'Assemblée nationale lors de la prestation de serment, bien entendu, des magistrats, les messieurs pouvaient être à Kingakati en train de passer son temps là-bas et vous trouvez normal. Un premier ministre qui était amorphe, d'ailleurs, n'était même pas un modèle pour la gestion de la SNCC. Vous savez que lorsqu'il était DG là-bas, il a laissé 47-300 mois d'impayement. Et depuis qu'il a été premier ministre, dites-moi dans quelle province où il était pour inspection, soit pour voir ce qui pouvait se passer. Pourtant, celui qui est censé booster, bien entendu, la vision du chef de l'État qui est appliquée par le gouvernement, c'est le premier ministre, celui-ci, lorsqu'il est mort, et vous nous dites que non, il fallait que Ilunga Nkamba puisse être là. En tout cas, c'est rêvé debout. Ilunga Nkamba était premier ministre. Saviez-vous, monsieur, les réserves d'échange étaient à combien? Aujourd'hui, avec monsieur Samalo Kondé, qui était en train de refuser, nous sommes à 4 milliards. Donc, je comprends que tu es dans l'axe du mal et tu voulais Ilunga Nkamba pour tes raisons propres. Tu dis le bilan est chaotique. Il s'agit de quel bilan chaotique? Je pense que lorsqu'on parle des bilans, nous avons l'actif et nous avons le passif. Tu ne peux pas parler tout simplement que le bilan est chaotique. Dans quel domaine? Aujourd'hui, nous parlons, madame, nous avons la liberté d'expression et de manifestation. Aujourd'hui, nous parlons, nous avons la baisse des prix des billets d'avion. Aujourd'hui, nous parlons, nous avons la gratuité de l'enseignement des bases. L'article 43 qui n'avait jamais été appliqué. Les enfants étudient gratuitement. Aujourd'hui, nous parlons les koulounas qu'on pouvait tuer. On a pris les koulounas, on les a insérés dans la société. Ils sont à Kanyamakassé en train de nous faire le champ. La baisse des passeports, les avions que tu es en train de parler. Et puis, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un compatriote peut dire, écoutez, il ne fallait pas que l'on puisse baisser les prix des billets d'avion. Ça, vraiment, c'est rêver debout. C'est être contre les sociales. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit cela, je vais te rencontrer, monsieur. Tu as évoqué pour dire pourquoi baisser les prix d'avion au moment où nous n'avons pas les avions. Mais il fallait poser la question aux gens qui étaient en train de soutenir Ilunga Nkamba. À l'époque encore, Matata Ponyo, lorsqu'il a acheté les avions que nous avons ici, quels sont les avions qui sont restés dans l'espace aérien? Est-ce que vous connaissez là où il y a Lumumba? Vous connaissez là où il y a Patrice, le roi des Kabila, Kimpanvita? Ces avions-là sont cloués en Marite, sont cloués quelque part. Je crois même à Kindu et ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était les avions qui ne répondaient pas aux normes. Au premier vol, ces avions-là ont été cloués. Et tu nous dis ici, il ne fallait pas baisser les prix, les billets des prix d'avion. C'est être antisocial. On a baissé cela et cela a permis à ce que les compagnies aériennes puissent commencer à se faire des bénéfices. Arithmétiquement parlant, peut-être que tu ignores cela, monsieur. Lorsqu'une personne pouvait débourser 400 dollars pour aller à Lubumbashi, c'est que pour dire que ce n'est pas tout le monde qui avait ce pouvoir d'achat-là. Mais aujourd'hui, à 125 dollars, quelqu'un peut débourser l'argent, aller à Lubumbashi. Et les gens qui n'avaient pas la capacité financière arrivent aujourd'hui à se déplacer et c'est l'ajout ou la valeur ajoutée dans les compagnies aériennes. Même quand vous aviez posé la question, madame, on vous dit ils ont multiplié les bénéfices. Mais par rapport à la question d'avion ou des appareils volants, je sais, d'ici le mois de mai, nous allons acquérir 5 avions qui vont venir ici. Et donc, je pense que cette question-là est déjà résolue. Et il ne faut pas que nous puissions contrecarrer l'action du chef de l'État. Il nous dit encore que l'argent qu'on a défalqué, les 6 milliards de dollars pour les Saint-Charles, il ne fallait pas parce que lorsque le chef de l'État, 6 millions des dollars, le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé, il nous a promis que nous puissions avoir les bateaux de pêche. Monsieur, il n'y a pas les bateaux de pêche là-bas. Si les marchés, lorsque vous arrivez et vous achetez directement, il faut faire une commande. Et quand vous faites une commande, vous savez, ça peut vous prendre combien de temps pour la fabrication des bateaux de pêche. L'on doit voir d'abord la capacité de votre eau. Nous avons les lacs Tanganyika, nous avons les fleuves Congo, nous avons l'océan Atlantique. Lorsque vous arrivez à Mwanda, où nous passons notre vacances. Qui a des problèmes aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a certains endroits, c'est pas navigable. Ce n'est pas navigable. Raison pour laquelle, quand vous arrivez, madame, au niveau des baumes là-bas, on vous dit qu'il y a certains bateaux qui ne peuvent pas coster à Matadi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas navigable à ce niveau-là. Il y a des bateaux qui restent au niveau des baumes. Donc, lorsque vous parlez, il faut avoir quand même l'information et la matière. Bon, la dernière des choses, est-ce qu'il faut laisser le peuple mourir pendant 3 ans, 4 ans, ou
on peut avoir les bateaux, ou il faut trouver des mesures appellatives pour que nous puissions résoudre les problèmes alimentaires. Les poissons étaient là, monsieur. On a distribué. Je sais, pas distribué, on a vendu. L'information que nous n'avons pas, c'est quoi? Lorsque nous arrivons, on a acheté notre quota, madame. Les quotas qu'on a achetés, on n'a pas les bateaux de pêche là-bas. Et les personnels qui sont en Libye, au mois de novembre, partent en détente ou en congé. Et ils reprennent le travail qu'au mois de mars. J'ai un document dans ma voiture. J'avais oublié d'amener le document ici. Que les ministres que nous-mêmes nous avaient remis. Au mois de mars, le 21 mars, le gouvernement en Namibien, par le truchement, bien entendu, du ministre de l'économie, a saisi la République démocratique du Congo pour dire « Votre quota doit continuer. » Et donc, nous devons avoir notre quota dès le mois de mars ici jusqu'au mois de décembre. Je vais remettre le document à la fin de cette émission ici. Et donc, on n'a pas perdu cet argent-là, mais plutôt les travaux ou la pêche, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de détournement, madame. Les 6 millions de dollars là, notre quota est là à la fin de cette émission. Je vous donne, j'ai laissé le document de la bâtisse. C'est pour dire, oui, la pêche continue. Deuxième chose, on nous dit ici, il ne fallait pas que nous puissions baisser. Bon, là, j'en avais déjà parlé. Et donc, je tiens à dire, madame, le bilan de Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est un bilan acceptable. Je ne dis pas que l'on a rencontré toutes les aspirations de notre peuple parce que nous avions trouvé ces pays qui étaient dans les trous. Et nous sommes en train de relancer l'économie de notre pays. Regardez, madame, vous êtes une grande journaliste. Lorsque les individus ont soupçonné la Gécamine, une entreprise publique, avec M. Dan, que vous connaissez, madame, avec les carrés miniers, les secteurs pétroliers, et aujourd'hui, où nous parlons, nous avions pu récupérer la Gécamine. Nous avions pu récupérer certains secteurs miniers. Et vous dites qu'il n'y a pas le bilan. La NCCC, madame, où il y a eu beaucoup de mois d'impayement. Aujourd'hui, où nous parlons, il n'y a aucun mois d'impayement. Pourquoi? Parce que Tshisekedi arrive au pouvoir, achète au moins 4 trains pour la NCCC. Et donc, je dis, il ne faut pas que nous puissions mentir. Les chefs, madame, qui est en train de faire la patrouille financière. Vous savez, il y avait certaines entreprises ici qu'on appelait des entreprises canard boité. Aujourd'hui, ces gens-là ont des réserves stratégiques dans leur compte. C'est que pour dire, refuser ce qu'elle dit, c'est être démon pour la République. Monsieur Loukoussa, vous voulez répondre, parce que là, nous allons parler au boycott, nous allons passer plutôt au boycott des députés. Répondez à monsieur. Je réponds, je dois répondre d'abord avec courage, parce que les téléspectateurs qui nous suivent, d'ailleurs, sont en train même de pleurer, parce qu'ils se rendent compte que le pouvoir de l'UDPS, c'est vraiment c'est une bande de juceurs. Des personnes qui sont venues justement pour se faire d'abord des fortunaires, des personnes qui sont venues pour se faire des maisons, des grandes maisons, pour s'habiller élégamment au détriment de tout un peuple. Ça, vraiment, c'est cracher même sur la mémoire du Sphinx. C'est lui qui nous a demandé de nous prendre en charge lorsqu'il était encore en vie. Je suis en train d'abord d'avoir pitié de ce peuple, d'abord qui souffre, parce que nous vivons toujours aux côtés de ce peuple matin, midi, soir. Lorsque mon co-débatteur évoque le problème, il dit l'IDPS ou le pouvoir en place a un bilan acceptable. Acceptable par qui? Ça fait d'ailleurs mal même de l'écouter. Il évoque le problème de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. Comme c'est constitutionnel, ça posait toujours problème pour son applicabilité. Mais aujourd'hui, il faudrait se poser des questions. Si vous dites non, la gratuité de l'enseignement a été mise en œuvre. Est-ce qu'il peut avoir le courage de me citer une seule école qui a été construite par l'État congolais, par le pouvoir de Félix Tshisekedi? Une seule école seulement, ici à Kinshasa, construite par le pouvoir de Tshisekedi. Ça, c'est une question qu'il doit me répondre même à la fin de cette émission. Je pense qu'il ne va pas me citer une seule école construite. Vous parlez de Mokengeli, non? Non, je dis une seule école. Mokengeli, c'est réhabilité. Je dis bien une école construite. Parce que quand on parle de la notion de l'enseignement, ça veut dire des enfants qui étaient à la maison, qui n'avaient pas moyen d'étudier, mais il y a maintenant, il y a eu un moment qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Mais ils seront casés où? Où est-ce qu'ils vont quand même continuer à prendre cours? J'ai suivi qu'il y a eu 45 000 nouvelles unités. Il y a eu autant de 17 000 personnes payées tout ça. C'est ce que j'ai suivi selon le rapport de l'EPST. Mais lorsqu'on parle de nouvelles unités, combien de personnes, combien d'enseignants ont été retraités? Nouvelles unités ont été recrutées sur base de quel principe?
pour qu'il puisse remplacer qui? Ça, c'est vraiment une gestion qui est gelée. Là, il faut quand même que nous puissions le comprendre. Monsieur, il me parle du poisson. Il dit, le poisson était ici, nous avons mangé le poisson. La République n'est pas seulement Kinshasa. Posez la question à la personne qui est chez moi à Kananga. Est-ce que vous avez mangé le chinchard? Va vous dire, je n'ai même pas vu ça. Moi, d'ailleurs, que vous parlez ici à Kinshasa, je n'ai pas mangé ça. Je ne sais pas si vous avez mangé ça. Et lorsque vous dites, non, en tout cas, il faudrait d'abord faire l'étude d'eau, savoir la profondeur pour acheter les bateaux de pêche. Mais c'est insensé. Parce que diriger, c'est prévoir. Vous êtes un chef. Le pouvoir, la parole du chef ne peut pas sortir et revenir sans action, sans impact. Vous avez promis tout un peuple, vous avez dit, effectivement, nous aurons accès aux bateaux de pêche. Mais ce n'est pas aujourd'hui commencer à nous acheter des poissons dans la vie, comme si nous ici nous n'avons pas d'eau, comme si nous n'avons pas de fleuve, comme si nous sommes incapables d'avoir ça. Lorsque mon frère évoque aussi les problèmes de réserve, d'échange. Moi, je ne suis pas venu ici pour défendre Iloukamba. J'ai fait seulement un étalonnage entre Iloukamba avec Samalukonde. Il dit Iloukamba avait laissé des arriérés à la SNCC. Mais Samalukonde qui a laissé Jekamine en faillite. Aujourd'hui, Jekamine n'arrive pas à subsister, mais c'est parce que Samalukonde a laissé Jekamine en faillite. Vous dites Samalukonde, Iloukamba, lorsque le président avait besoin de lui, au palais du peuple, lui était à Kingakati, il n'obéissait pas, il n'obtempérait pas aux ordres du président de la République. Mais Samalukonde, maintenant, qui est en train d'obtempérer aux ordres du président de la République, c'est quoi les soucis du peuple congolais? Nous devons nous dire, nous devons nous regarder en face et nous dire des choses. Moi, je peux commencer à vous dire, à vous démontrer aujourd'hui noir sur blanc. Depuis que le président de la République, le président est là, il y a quelqu'un qui doit faire, qui doit coordonner l'action gouvernementale. C'est le Premier ministre. C'est lui qui doit porter la vision du président de la République, bien que jusqu'à présent, la vision n'est pas encore définie. Bon, on peut commencer, on peut prendre secteur par secteur, madame. Vous dites, par exemple, nous sommes dans les secteurs de l'éducation. Nous voulons voir autant d'écoles. Combien d'écoles ont été déjà construites? Zéro. Nous sommes dans les secteurs de santé. Combien d'hôpitaux ont été construits? Zéro. Nous sommes dans les secteurs d'environnement. Et on nous vient aussi avec un projet parfois qu'on appelle Tilejidou. Après, on nous vient maintenant, on nous dit, tel conseiller à la présidence avait détourné, telle personne chef de l'État avait détourné, tel. Pourquoi nous montrer ces scénarios? Vous prenez aussi le programme de 145 territoires, madame. Moi, sur ce plateau, j'en avais parlé. J'avais donné chance à ce programme. J'avais dit, nous devons développer notre pays à partir de la base, à partir de nos secteurs, de nos territoires. Mais madame, lorsque vous vous lancez dans un projet, tout projet commence toujours par quelque part. Mais je ne sais pas, avec le programme de 145 territoires, ça a commencé déjà où? Depuis qu'on est venu nous parler de ça, 145 territoires, est-ce que vous avez déjà vu même le lancement, même là où il y a déjà la pose de la première pierre pour réaliser ces travaux? Et il ne reste que 20 mois pour la fin du mandat du président de la République. Le président, lorsqu'il est arrivé, même quand nous parlons de Iloukamba, même quand on parlait de Kabila, le président est arrivé, Kabila nous a laissé avec un pain que les Kinois appellent le pain carré mais qui est rectangle. Kabila nous a laissé avec ce pain-là à 300 francs. Mais aujourd'hui, nous l'achetons à 750 francs, madame. Kabila nous a... C'est l'histoire du blé, monsieur. Non. C'est l'histoire du blé. Madame Lilas, comprenez, madame. Nous n'avons pas, les Congolais n'ont pas besoin de manger seulement le pain avec du blé. Ce n'est pas seulement avec du blé que les Congolais peuvent manger le pain. On peut trouver autre chose. On peut trouver autre chose. Lorsque nous sommes devant le peuple, d'abord, le peuple meurtri, même le président de la République lui-même en avait dit. Au sein des lits de PES, d'ailleurs, il y a des personnes qui sont là parfois en train de chanter seulement la gloire. Fatih Béton. Mais on n'exige pas au président de nous donner d'abord ce que nous voulons. Ces régimes, on nous montre... Mais vous riez bien, mais on... Mikate Alos, c'est à la rapée. Ça veut dire qu'on peut faire même du pain à partir de... Madame, je vous dis très bien, ça, franchement, le peuple en a marre. Nous avons eu au moins la chance et l'occasion de sillonner un peu à travers la République. Lorsque vous arrivez, vous savez, Félix, c'est le fils maison, c'est le fils biologique du Sphinx, quelqu'un qui incarnait vraiment l'esprit du développement, l'esprit de la découverte, l'esprit de la démocratie, l'esprit du savoir-faire, savoir-être. Mais aujourd'hui, les fils d'un docteur du Sphinx qui arrive vraiment à la commande, la chose publique, les gens commencent à pleurer pendant que les fils maison compensés. Quand vous allez même chez moi... Ce ne sont pas les alliances qui le... Il n'y a aucune alliance, mais avant, c'était FCC-CACH qui est bloqué. Oui, je vous dis, madame... Il y a peut-être ensemble aussi. Non, je me rappelle très bien, c'était au mois de décembre 2020. Le président tenait le discours.
Il a dit en tout cas, Moudjimo Abang, Kisalu, Mebanda. Vous voyez, le travail a commencé. Mais depuis que le président a lancé ces trucs, ces slogans qui demeurent aujourd'hui l'utopie, qu'est-ce que les Congolais ont déjà? Madame Pouch, je suis en train de citer. J'étais chez moi il n'y a pas longtemps, au Kasaï Central. Imaginez-vous, Kasaï Central, c'est l'unique province qui a massivement élu le chef de l'État, à plus de 98%. Veuillez faire des investigations, vous allez comprendre que non, ce que je dis, c'est vrai. Mais allez-y maintenant, avec votre baladeur au Kasaï Central. Je vous dis, la population a commencé à murmurer. La population dit, même si en tout cas en 2023, et que le président de la République va quand même nous demander notre suffrage, parfois on dirait, en tout cas, papa, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Et en tout cas, pour citer, je dirais à mon co-débatteur, vous savez, quand nous faisons des débats, nous devons savoir un débat pédagogique. Un débat qui doit aider les Congolais qui nous suivent. Quelqu'un qui vous souffre, quelqu'un qui manque quoi mettre sous la dent, quelqu'un qui souffre, qui manque même quoi payer le transport pour aller chercher, vous lui dites non, le président de la République a un bilan satisfaisant. Satisfaisant dans quel domaine? Acceptable dans quel domaine? Dites-moi, les Congolais qui nous suivent ont besoin de comprendre. Juste un seul domaine où vous pouvez quand même citer, en tout cas vous voyez dans quel domaine le président de la République est venu, il a essayé de faire des choses et les Congolais se retrouvent. Aucun domaine de la vie, aucun domaine, aucun. Voilà pourquoi je vous dis, la personne qui coordonne l'action gouvernementale, c'est quelqu'un qui est amorphe. Samalou Kondé doit démissionner, il doit partir. Nous avons des amorphes. Et d'ailleurs, madame, vous savez, depuis l'avènement de ces régimes, il n'y a que des détournements. On nous parle, et je pense qu'on va encore parler sur le point de l'hydrocarbure. Il n'y a que des détournements. Bon, malheureusement, j'ai mis ça en berne, vu la dernière nouvelle qui est tombée hier soir. J'ai préféré taire. Non, mais... Plus d'informations pour énoncer... On le savait. On le savait aussi avec Dr Eteni. Il a été interpellé pour la gestion des fonds alloués pour le point de Covid. Il a fait juste un tour en prison, après il est revenu. On sait qu'avec cette gestion, parfois, avec ce régime, c'est un scénario bien planifié. Je vous dis bien, les Congolais qui me suivent en ce moment... doivent quand même réclamer, parce que doivent porter plus haut et fort leurs revendications. Okay. On ne doit pas être foué devant un discours chimérique, un discours qui nous aveugle pour rien, madame. Merci, monsieur. Bon, messieurs, on va être d'accord que si on reste sur ce sujet, on n'avancera pas sur les autres. Alors, on laisse le peuple congolais juger de cette... Il n'y a rien à me répondre ici, c'est clair. C'est clair, il n'y a rien à me répondre. Je vais juste rebondir même pour... Tu ne m'hésites une seule école construite ici à Kinshasa. Ok, allez-y. Et un seul hôpital. Merci, je voulais juste rebondir. Oui. Je pense qu'il a fait du théâtre. Même les gens qui nous suivent ont compris que le monsieur a fait du théâtre. Par rapport à la question de la construction des écoles, madame, nous avons au moins pas moins de 100 écoles construites sous Félix Tshisekedi à travers la République du Congo. Ici à Kinshasa, madame, je veux savoir une seule école ici à Kinshasa. J'ai dit, madame, à travers la République du Congo, nous avions construit au moins pas moins de 100 écoles. Ici à Kinshasa, une seule école, c'était moins une seule école ici à Kinshasa, construite par Félix. Deuxième chose, madame, à Kinshasa, je vais dire, nous avions réhabilité beaucoup d'écoles. On a élargi même l'espace d'accueil. Deuxième chose, la confusion notoire que votre invité a dans sa tête, c'est de faire l'amalgame entre la gratuité de l'enseignement de base et la capacité d'accueil. Et donc, monsieur, tu dois mettre cela dans ta tête une seule fois pour toutes. La gratuité de l'école de base ou de l'enseignement de base, c'est une chose. Et la capacité d'accueil des élèves en est une autre. Vous vous souvenez, madame, dans notre pays ici, il était demandé à monsieur Matata Ponyo de nous construire 1000 écoles par province. Mais aujourd'hui, on applique la gratuité de l'enseignement. Ça te pose problème. Je comprends de quelle elle tu es. Vous n'avez pas tout répondu. Parler, monsieur. Une seule école ici à Kinshasa construite par Félix. Pendant que tu parlais, je te calme. Non. Monsieur, quand tu me parles d'une école, moi je te parle de 100 écoles. Bon, un seul hôpital. Monsieur, tu n'es pas un journaliste. Si tu commences à me poser des questions ici. Mais on nous comprend quand même. Bon, je voulais. Les gens qui nous suivent comprennent. Je voulais. Les gens qui nous suivent comprennent que rien ne fait. Monsieur, rien ne fait. Monsieur, pendant que tu parlais, je te calme. C'est tout ça l'élégance. Deuxième chose. Quand tu nous parles de la gestion, tu les gelous, peut-être tu le comprends à travers. Ça veut tout simplement dire modèle. Oui, nous sommes un modèle de gestion, monsieur. Nous sommes un modèle de gestion. Aujourd'hui où nous parlons, aucun président de la République dans notre pays n'a fait ce que Tshisekedi est en train de faire. Et donc, si tu nous parles de tu les gelous, oui, nous acceptons, nous sommes un modèle de gestion.
Deuxième chose, tu nous dis Gécamines, Samalo Kondé a laissé la Gécamines en faillite. C'est faux, archi faux. Honte à toi, monsieur. Monsieur Samalo Kondé a laissé la Gécamines en parfaite bonne santé, monsieur. Et la production minière de cuivre et de cobalt sous Samalo Kondé, c'était au top, monsieur. Et donc, il ne faut pas mentir les Congolais. C'est un menteur. Deuxième chose. On fasse le débat avec des chiffres. On dit, la mission du chef de l'État n'est pas définie. La vision du chef de l'État. C'est quoi sa vision? La vision du chef de l'État est incluse dans son projet de société qu'il a présenté au peuple. Il faut être informé, monsieur. C'est quoi ce projet? Le projet du chef de l'État, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est qu'il a eu à défendre, monsieur, à l'hôtel Béatrice. Je comprends, tu viens peut-être d'où. Bon, je te comprends. Et il faut être informé. Je t'ai dit, mets cela dans ta tête. La vision du chef de l'État est incluse dans son projet de société qu'il a présenté à Béatrice, la lutte contre la pauvreté. Raison pour laquelle et tu vas... Et vous avez dit la pauvreté. Madame Lilaz, les Congolais n'ont pas besoin d'écouter ça, Madame Lilaz. Non, mais non, laissez ça, les Congolais... Ça, c'est traché sur la mémoire de tous les Congolais. Les Congolais le lorsqu'on dit c'est lutter contre la pauvreté... Direct. Absolument, Madame Lilaz. Lorsqu'on lutte contre la pauvreté, mais pendant que nous souffrons, les Congolais souffrent. Laissez-le finir. Soyez les gars, laissez-le finir. Oh, bon, je ne parlerai plus encore. Je comprends que s'il y a le syndrome de la citadelle asphyxiée, voilà pourquoi tu t'agites à tout bout de champ. Je t'invite à la retenue. Bizarrement, j'en parlais. Bon, je disais ceci, monsieur. La vision du chef de l'État est incluse dans son projet de société qui est la lutte contre la pauvreté. Voilà pourquoi chez nous, nous parlions du peuple d'abord. Et tout ce que c'est qu'il fait, c'est pour le peuple et pour le peuple seul. Honte à toi. Voyage d'abord. Deuxième chose. Si tu veux me parler des voyages, monsieur, parce que ce n'est pas élégant, au moment où la journaliste, madame, te demande de cette heure, tu veux parler. Les voyages, monsieur, nous a ouvert au monde. Les voyages de Tshisekedi, aujourd'hui, nous sommes au retour dans les concerts des nations. Les voyages de Tshisekedi, aujourd'hui, nous avions eu au moins 3 milliards de dollars, monsieur. G20, COP26. Tu as fait quelque chose? Tu n'es pas informé? Je te donne l'information. Monsieur, tu nous parles que les conseils du chef de l'État ont détourné de l'argent par rapport au projet Tshisekedi. Tu reviens de Canada. Tu as vu les travaux qui s'effectuent là-bas? Je n'ai rien vu. Tu es... Il est aveugle. Oui, tu es aveugle, monsieur. Ou soit tu étais directement dans ton village et tu n'avais pas été à Kananga. Et je doute que tu étais à Kananga. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, monsieur, à Kananga, dans les secteurs des infrastructures, monsieur, ça marche. Au Kasaï oriental, en tout cas, ça marche. Donc, tu es vraiment aveugle. Et tu nous dis ici qu'on a détourné de l'argent. Madame, s'il vous plaît, tu as menti, un mensonge cousu de fil rouge, même les muets comme toi savent voir cela. Monsieur, le DG d'IFPI a dit clair et net, il n'y a pas un détournement par les conseillers. Tu sais comment est-ce que ce travail est fait? Ce ne sont pas les conseillers qui gèrent l'argent. Je suis un financier, monsieur. Il y a l'équipe de pilotage, monsieur. Les conseillers ne font que le suivi. Comment est-ce que quelqu'un qui fait le suivi doit être en contact avec l'argent? Il ne faut pas mentir les peuples, monsieur. Et d'ailleurs... L'argent passe par la banque. Et en cela, madame, pour les projets, de Gilets jaunes, madame, on a mis, on a intéressé même, comment on appelle, l'église catholique. Pour qu'il y ait de la traçabilité. Je ne vois pas comment est-ce que l'argent qui n'est pas géré au niveau de la présence de la République par les conseillers doit quitter la banque pour les comptes des conseillers. Au moment où le ministre des IPR, madame, celui qui est chargé pour les travaux sur le terrain, qui doit effectuer, et les entreprises même qui ont le marché là, l'argent doit arriver chez les conseillers communs. Il ne faut pas mentir, tu as menti debout, on t'a eu. Par rapport, madame, oui, je vais conclure, par rapport au projet des 145 territoires, encore, dit le nom de la farce. Madame, pas plus tard qu'avant-hier, à l'Équateur, on a réceptionné les tracteurs pour les routes. À l'Équateur, il n'est pas informé. Aujourd'hui, nous parlons, madame, les ministres d'État, comment il s'appelle, Christian Mwando, celui qui est le ministre du plan, on a déjà dit, on a l'argent, on a commencé les travaux.
Et si les messieurs disent que le projet de Chile Genou n'a pas encore commencé, je me dis, en tout cas, il ne faut pas venir à la télévision si tu n'as pas la matière, monsieur. Mieux vaudrait s'informer. Merci. Bon, par rapport à la question que vous avez posée. S'il vous plaît, la question, elle tombe parce que malheureusement, eh ben, on a commencé cette émission en retard. Non, dès mon seulement, madame. Non, je passe la maison. Là, vous venez de dire. Des secondes. S'il vous plaît, soyez élégant aussi, s'il vous plaît. Je le suis. Vous avez dit quelque chose qu'au Kassai, aujourd'hui, il y a. Les gens, la vie commence à changer, c'est ce que vous avez dit, non? La vie commence à changer socialement au Kassai. Merci beaucoup pour la question, madame, pour avoir me laissé. Non, oui. Je n'ai pas dit que la vie commence à changer au Kassai. Je tiens à dire qu'au Kassai, il y a encore la misère, mais c'est dans les infrastructures où il y a un changement. Alors, voilà, mais il faut savoir que les infrastructures aussi font partie du social. Oui, bien sûr. Alors, on passe directement et malheureusement au dernier sujet qui va vraiment clôturer l'émission parce que nous n'avons plus d'heures, nous avons commencé en retard, comme je le dis, et nous subissons. Les Kassaïens n'arrêtent pas d'affluer vers le Katanga. Et ça dérange. Ça dérange la personne de Madame Dominique Munongo qui a dit beaucoup de choses, hein, que les Kassaïens se déplacent avec leurs us et coutumes, ils arrivent dans un espace où même elle, dans sa tribu, les Bayeke, on ne mange pas du poisson, mais là, le Kassaïen mange de la viande de chien comme ça devant tout le monde, beaucoup de choses. Alors, vous allez commenter là-dessus, ça sera votre mot de la fin. Malheureusement, Philippe Kaïm aussi prendra la parole. Merci beaucoup, Madame Lilas, merci. Et comme c'est mon mot de la fin, je vais profiter quand même pour faire un petit toilettage par rapport à ce que mon co-débatteur a dit. Il a évoqué les problèmes des travaux qui sont coordonnés. Ce n'est pas le programme Télé-Gelou, en Bougemaï ou je ne sais pas. Moi, je suis vraiment outillé en cette matière parce que je suis arrivé à la présidence. J'ai rencontré Marcelin Bilouma, le conseiller principal chef de l'État en matière de l'économie, Ecofin. J'ai échangé avec lui lorsqu'il y avait des systèmes de détournement qui pesaient sur lui. Madame, je vous dis, aucun pays dans le monde, aucun pays en Afrique n'a deux gouvernements parallèles comme c'est le cas avec la RDC. Il y a un gouvernement à la présidence, il y a un autre gouvernement dirigé par Samalou Kondé. Ça, vous devez le savoir. Il y a un projet, parfois lui n'est pas au courant, un programme qu'on appelle le programme gouvernemental, le programme présidentiel des luttes contre la pauvreté et des inégalités dans le social. Voilà. Mais c'est un programme qui n'est même pas piloté par le chef du gouvernement. Un programme qui n'a même pas voté dans les conseils de ministres, mais qui est piloté justement par un collège de collaborateurs de Tshisekedi à la présidence. Mais quelle honte! Pendant que des grandes décisions doivent se prendre dans les conseils des ministres, parfois ce qu'il dit, il déroute. J'avais posé la question, je voudrais seulement savoir, parce que je vous avais demandé la fois passée, maman Lila, prochainement, s'il vous plaît, veuillez aussi écouter et veuillez aussi en parler vraiment aux déjà laissés. Qu'on puisse nous octroyer l'occasion de faire l'émission à téléphone ouvert parce que les Congolais doivent interagir, doivent quand même comprendre. Nous pensons déjà que oui, c'est normal. Je vous dis, si le téléphone était ouvert, je vous dis parfois, mon co-débatteur devrait quand même avoir ses missiles. Des Congolais, des milliers de Congolais qui devraient quand même l'attaquer en direct, il allait comprendre. Pourquoi? Parce qu'il trompe l'histoire sur le plateau, il trompe. J'avais posé la question de connaître les noms d'une seule école construite par le gouvernement Samalou Kondé ou construite par le régime en place. Il n'a pas cité le nom de l'école. Les noms d'hôpital, il n'a pas cité le nom de l'hôpital. Je voudrais même savoir même des routes qu'on a eu quand même à construire. Non, c'est Maïsta Kinshasa, même dans des provinces. Personne ne m'a cité. Vous comprenez un peu, madame? Chez moi, d'ailleurs, il y a une route qu'on entend d'abord de plaider matin, midi, soir, la route de Kalamamouchi. Si lui, connaît Kassai Central, il doit connaître. Si on va seulement terminer la route de Kalamamouchi, qui relie le Kassai Central à l'Angola, je pense que la population du Kassai Central doit quand même se retrouver. Mais si on ne se retrouve pas, c'est parce qu'on a lancé vraiment l'alerte, on a parlé pour cette route de Kalamamouchi jusqu'à présent. Si aujourd'hui, Félix n'arrive pas à construire les grands Kassai pendant qu'il est encore au pouvoir, quand il va partir en 2023, les Kassai ne seront jamais construits. Maintenant, pour répondre à votre question, en rapport avec les propos qui ont été tenus par... Et je sais que vous avez déposé une plainte. Absolument, la plainte. Mais j'ai une information à vous donner. La plainte a été déposée par mon avocat. Nous arrivons avec lui à la cour, au bureau du procureur général près de la cour de cassation. On a déposé notre plainte contre Mme Dominique Munongo. Pourquoi on avait déposé la plainte? Ce n'est pas parce que Madame avait dit les Kassaïens viennent ici, ne respectent pas nos coutumes des us, ils mangent des mois, tout ça, des chiens. Non, ce n'est pas pour ça. Moi, j'avais quand même compris que madame avait tenu des propos qui étaient séparatistes, qui étaient pour moi tribaux, qui n'avaient pas apprécié le fait de dire les Kassaïens quittent chez eux pour venir chez nous.
Pourtant, l'article 30 de la Constitution nous donne le pouvoir à tout Congolais de se choisir son habitation, là où il veut habiter, là où il veut passer son temps, sa vie. Mais madame ne pouvait pas créer vraiment une ligne rouge pour dire ici c'est chez nous, là-bas c'est chez vous. Moi, je m'étais senti un peu lésé pour ça. Et il est aussi venu avec une notion de balkanisation. Lorsqu'elle a dit, son papa était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Tshombe, dans le pouvoir de Tshombe, le régime de Tshombe, alors l'idée de Katanga de se soustraire du territoire national demeure toujours. C'est là que j'avais condamné. Mais après, j'ai eu à faire un petit peu de réflexion. Il y a quand même les notables du Grand Katanga qui m'ont appelé, les notables du Grand Kassai qui m'ont appelé. Ils ont dit, eh bien, ce que madame avait dit, quelque part là, c'est une interpellation. Est-ce que vous ne voyez pas que Kassai, le Kassai, c'est vide? On n'a pas dit que les Kassaïens ne peuvent pas aussi venir au Katanga ou au Grand Kivu. Mais quand même, même Jésus-Christ était mort pour tout le monde, pour toute l'humanité. Mais on sait que Jésus-Christ est un juif. Ça, on ne peut pas refuser. Mais le Kassaïen sont des Congolais, les Katangais sont des Congolais, mais personne ne peut ignorer quand même son origine. Voilà ce que la dame a voulu dire. On m'a expliqué par le notable. Et là, vous avez retiré votre plainte. J'ai retiré ma plainte hier. J'ai retiré ma plainte en âme et conscience. C'est pour dire quoi? Si aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir, c'est les Kassaïens d'abord en général, c'est parce que les Kassaïens n'ont pas été construits et par le notable du Grand Kassai et aussi par le fils ressortissant du Grand Kassai, qui est Félix Antoine Tshilombo. Ce n'est pas le tribalisme. Parce qu'il sait au moins que avec les 32 ans de Maréchal Mobutu, il n'a pas construit les Grands Kassai. Cet article 3, avec, que vous reprenez en avec, disant que le Congolais a le droit de se choisir là où il va habiter. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux me choisir d'habiter le Grand Bandundu. Il n'y a pas de problème. Alors, mais si je suis ce que je suis, ma province, je suis d'une telle province, mais je peux aujourd'hui choisir d'habiter comme aujourd'hui j'habite Kinshasa, qui n'est pas ma province. Absolument. Alors, pourquoi dire aujourd'hui que tout comme les Batéké, les Tékéou, vous pouvez aussi se plaindre, on dit que toutes les provinces se vident et tout le monde vient habiter Kinshasa. Madame Lilas, vous pensez qu'elle a le droit de tenir il y a ceci. L'article 30 de la Constitution est clair sur ces 17 dispositions. Ça veut dire chaque Congolais est libre de se mouvoir là où il veut, partout à travers la République. Que le Kassai se vide ou pas, le Kassai a le droit de vivre là où il veut. Mais c'est une interpellation sur pour construire les Kassai. Moi, je ne suis pas là pour défendre Madame Mounongo. Mais quelque part là, les Kassaïens devraient aussi quand même reprendre conscience pour construire les Kassai. Comment est-ce qu'on doit construire les Kassai? Il y a des députés, madame, des députés nationaux, l'émanation du Grand Kassai, du Kassai central, du Kassai oriental, de la province du Kassai. Mais parfois, ils ont de l'argent, ils préfèrent se taper de maison en Europe, ils préfèrent construire ici à Kinshasa, mais là-bas, au Kassai central, ils n'arrivent pas à construire. J'ai échangé avec un sénateur du Kassai central, il m'a dit, bon, les Ktanga, il faut comprendre quand même, parce que chez nous, un sac du ciment coûte 35 à 40 dollars. Donc, voire même 50 dollars construits chez nous, on comprend un peu, c'est... Mais pourquoi? C'est parce que l'État congolais a failli à sa mission. C'est l'État congolais qui doit protéger sa population. C'est l'État congolais qui doit construire. L'État congolais qui doit garantir vraiment la bonne vie. Donc, bref, je lance d'abord un message à toute la population qui nous suit. Ce régime est en train parfois de boiter. Nous souffrons. Nous arrivons, on s'approche vers 2023. En 2023, nous devons sanctionner. On ne peut pas aller avec la honte, on ne peut pas dire « J'ai suivi la vidéo du président lui-même lorsqu'il était encore candidat à président de la République, il était sur Top Congo. » Le président a fait des déclarations. Il dit « Les gens souffrent, les gens sont frappés par la misère. » Et vous, venez encore réclamer encore, c'est les 5 ans. On ne peut pas vous donner, si on vous donne, c'est que nous sommes des naïfs. C'est ce que le président lui-même dit. Mais aujourd'hui que les Congolais sont frappés par des chômages, sont frappés par la calamité, sont frappés par la misère, et le président n'a aucun droit, n'a aucun pouvoir de nous dire, en tout cas donner encore les 5 ans de surcroît, que je puisse encore terminer mon bilan. Madame, je chute avec ma dernière parole, quand mon co-débatteur me dit, les programmes du président public, c'était la lutte contre la pauvreté. Mais même les Congolais qui nous suivent, bah, c'est le cas. Il se pose la question de savoir la lutte contre la pauvreté. Nous est arrivé dans ce pays en 97. Il a trouvé d'abord un pays en guerre d'ailleurs en 97. Nous n'avait pas attendu vraiment 3 ans après pour que les services nationaux puissent nous donner à manger. Nous est arrivé, nous avons jeté vraiment par fenêtre la nourriture. Mais si le président public nous puisse... Non, mon co-débatteur, il ne faut pas rigoler, c'est la réalité. Les Congolais souffrent, on a besoin de manger, on a besoin de boire. On a besoin de nous vêtir, on a besoin d'être quand même normalement apaisé. Mais ce n'est pas parce que l'IDPS est constitué d'un groupe de juceurs qui arrivent aujourd'hui à la gestion de la République, ils se disent non, le tout marche parce que vous êtes. Je ne sais pas, non.
nous devons quand même nous dire la vérité. Alors, en face et aider le peuple congolais à avancer. Bon, monsieur Philippe, pour votre information, mais une information à demi que je vous demanderai de compléter. Vous connaissez la route Tchalamwana dans le Kassai Oriental, c'est dans quelle commune? C'est pas Kanche, c'est pas Bipemba, c'est Mouya. Non, c'est pas Mouya, donc c'est une autre commune, c'est là où il y a vraiment le grand marché Sims. Sims. C'est quelle commune? Bon, c'est dans cette commune-là, et ben malheureusement j'ai passé. Sims, tu es dans la Mouya, oui. Non, c'est pas Mouya, c'est autre chose. J'ai passé la vidéo qui m'avait été envoyée par mon grand frère pour me montrer comment la route avait été réhabilitée. Vous aurez eu quand même cette information pour répondre à monsieur Oscar Lukusa. Alors, voilà, vous dites quelque chose aussi sur madame, les propos de madame Dominique Munongo qui ont jeté le feu. Mais merci beaucoup, madame. Je voulais rebondir par rapport à une chose. C'est une question que vous aviez posée, une question très pertinente. Lorsque les députés du FCC ont quitté le palais du peuple, je pense que c'est aussi ça les jeux démocratiques. Même nous, à notre époque, lorsque quelque chose pouvait être débattu, des fois on vidait aussi l'hémicycle, donc ça ne pose pas de problème. Mais je pense qu'ici, les députés doivent faire leur travail. Il faut qu'ils puissent discuter à l'hémicycle, mais s'ils se sentent limités dans leur argumentaire, ils ne peuvent pas, ils peuvent que quitter. En Mbujimayi, madame, nous avons beaucoup de travail qui s'effectue. Donc, vous dire, on continue l'émission. La réalisation vient de nous faire un cadeau. Donc, ce n'est plus le mot de la fin. On continue. Merci, madame. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je disais qu'en Mbujimayi, il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être réhabilitées. Oui. Lorsque vous arrivez au niveau de la ville Liba, quand vous atterrissez à l'aéroport de Bipemba, madame, toutes ces routes-là sont réhabilitées. En béton, d'ailleurs. À Kananga, il y a vraiment des routes aussi réhabilitées, même devant le gouvernement de Kananga, j'y étais, j'ai vu des routes réhabilitées. Lorsque mon co-débatteur est en train de dire ici, pince en rire, qu'il a questionné les gens de Kananga disent que non, si Félix Tshisekedi arrivait, nous allons lui dire, nous n'allons plus vous voter. En tout cas, encore un mensonge cousu de feuilles rouges. Lorsque Tshisekedi est allé à Kananga, monsieur, il n'y a pas un peuple qui a accueilli Tshisekedi comme à Kananga. J'ai vu les gens accueillir Tshisekedi, très nombreux là-bas. Je ne sais pas, peut-être, c'est toi avec ton petit frère qui se sentent dans l'axe du mal, qui disent que toi, tu ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Mais moi, j'ai vu mes compatriotes de Kananga accueillir Tshisekedi comme c'est fallait. Monsieur, Tshisekedi n'est pas le président du Kassai, ni de l'espace d'un Kassai. Pour affirmer sur ce plateau qui est beaucoup suivi dans cette émission, que si Tshisekedi ne construisait pas au Kassai, lorsqu'il doit partir, on ne doit pas construire le Kassai. Il n'était pas élu par le peuple kassaïen seul, monsieur. Il a été élu par l'ensemble du peuple congolais. Et donc, il ne faut pas réduire Tshisekedi au niveau des kassaïens. C'est une erreur grave que je devais élaguer. Tu ne sais pas de quel hôpital que Tshisekedi a construit. Arrivé à Mbujimayi, il y a deux hôpitaux qui sont en train d'être construits. Moderne, monsieur. Je dis bien moderne. Il rigole. Ça, c'est un rire de la honte. Je t'ai dit, monsieur. Il veut les noms. L'hôpital de la Mouya, okay, de référence, est en train d'être construit, monsieur, avec des standards modernes. 450 000, madame, avec la morgue. Donc, si tu ne connais pas, il faut s'informer. Nous arrivons à Mupompa. Il y a un hôpital moderne qui est en train de se construire, monsieur. Arrivé à l'hôpital Soindé, là où moi j'étais né, réhabilité. Aller au camp Tchatchi, un hôpital construit, monsieur, des militaires. Il y a même la morgue là-bas. Et donc je pense qu'à un certain moment. C'est Adi Bindi. Adi Bindi, voilà. Merci. Et donc, il ne faut pas que nous puissions mentir debout. Monsieur, il dit ici. On ne doit pas voter Tshisekedi parce qu'il n'a pas un bilan présenté. Je vous dis, c'est une façon de dire tout simplement, mais vous-même, tel que vous êtes là, vous êtes un produit fini du bilan de Félix Tshisekedi. Parce que, à l'époque, personne ne pouvait parler ainsi. Une fois que vous parlez comme ça, vous sortez, Kalev est derrière vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez critiquer, vous rentrez chez vous, sans être inquiété. C'est aussi ça, Tshisekedi. Et l'idée pèse que tu es en train de présenter ici comme une bande de justeurs, monsieur. Il faut avoir des gars, il faut avoir de la considération aux gens qui ont combattu dans ces pays depuis toutes les dictatures, monsieur.
Nous avions affronté la dictature mobutienne. Nous avions affronté la dictature kabylienne, fils et père. Et donc, il ne faut pas dire que nous sommes des juissaires. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pour les peuples congolais. Quand tu viens mentir encore debout ici, que tu as été rencontré M. Bilomba, le conseiller principal, pour vous dire que, écoutez, on a fait. C'est faux. Allez à Mbujimayi, route Batete, là, route de Kabeyakamwanga. Construite, monsieur. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faut avoir de la matière lorsque vous passez à la télévision. Kanyama Mbujila de Kananga, de boucher en Angola, on est en train de penser, il y a des travaux qui sont en train de relancer. À Kananga, là-bas, avec notre Chit Katende, nous sommes en train de travailler, monsieur, pour relancer Chit Katende. Et donc, je pense que la haine viscérale que vous avez envers la personne de Tshisekedi, à un certain moment, il faudrait que vous puissiez vous taire. Je comprends, M. Loukoussassi, il voit le temps. Il a parlé de 20 mois qui restent. Quand vous dites Madame Lilas, même les 20 mois là, puisque les moyens sont déjà là, nous allons travailler et nous allons arriver. Même s'il arrivait que nous ne puissions pas finir pendant les 20 mois ici, madame, le mandat prochain de Tshisekedi, parce qu'il sera réélu avec une majorité écrasante, nous allons continuer. Par rapport à la question que vous avez posée, madame, oui, les propos. En tout cas, j'étais sur la même chaîne là pour un droit de réponse. À un certain moment, il faut quitter la médiocrité pour que nous puissions nous inscrire à la modernisation. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du tribalisme, madame. On ne peut plus restreindre un peuple à se mouvoir, à ses mouvements. L'article 30 de la Constitution vous donne droit d'habiter partout où vous voulez. Même si vous partez, je ne sais pas, dans un coin lointain de ta province natale. Moi, je suis né à Lubumbashi. J'ai passé tout mon temps à Lubumbashi. Vous n'allez pas me dire que non, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas vivre à Lubumbashi. Et la politique de son père qu'elle est en train de brandir, c'était une politique meurtrière. Pourquoi aujourd'hui elle doit réduire les gens? Je suis allé chez moi, mon Iditou. J'ai trouvé les Katangais là-bas, avec femmes, enfants. Madame, aucun Kassaïen n'a dit quitter ici. Alors est-ce que c'était un cri pour vous réveiller? Comme M. Oscar qui avait porté plainte, il dit qu'il a compris après avoir reçu. Écoutez, madame, je pense que lorsque vous nous parlez des chiens, elle là ne mange pas les poissons. Oui. Qui l'en veut? Mais elle nous attaque, nous qui mangeons les chiens. Oui, j'aime les mounignons en bois. J'aime les chicotes, comme on dit. J'aime, je mange ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas attaquée aussi les Chinois, madame, qui mangent les chiens qui sont aussi là-bas? Parce que si vous arrivez en Chine, vous allez trouver tout un marché de chiens. On fait comme les poulets ici. Ils mangent le chien chez eux. Le problème, c'est que les Kassaïens se déplacent avec sa coutume, ses us, pour les faire chez autrui. C'est ça qui gêne. C'est ça, madame, qui madame. Oui. Les mêmes Katangais là, qui prennent de la boisson qui s'enivre, lorsqu'ils sont aussi au Kassaï, ils prennent de la boisson qui s'enivre aussi. Ok, merci. Et donc, je vais dire, le Congo est fort lorsque nous sommes unis. Oui. Le Congo est puissant lorsque nous sommes unis. Et nous devons combattre tous les tribalismes d'où qu'ils viennent. Il ne faut pas que nous puissions présenter les Kassaï comme si c'était un cimetière. Au Kassaï, madame, il faut beau vivre. Je vis, s'il vous plaît, je vis la misère au Katanga. Je vis ce qu'on appelle la malnutrition au Katanga, madame. Je vis des maisons qu'on appelle, en Swahili, lui doit le comprendre, les Kimbototo. Les maisons à briques d'or, là, au Katanga. Et donc, je dis, il ne faut pas que nous puissions voir comme si les Kassaï étaient un cimetière. Au Kassaï, madame, nous avons aussi les diamants. Si les gens nous parlent de quoi? De la Miba, et comment dire, de la Chekamine. Saviez-vous, la Chekamine a été construite avec le bois de l'Équateur? Et nous, si nous voulons aussi parler de la Miba, la Miba a financé la guerre, les efforts de l'Est. Vous avez pris, Marie, que je vous dis que vous allez le permettre aussi de prendre ce même temps de parole. Merci, madame. On peut parler maintenant des députés nationaux du Front commun pour le Congo qui ont boycotté hier, 14 avril 2022, la plénière de l'Assemblée nationale qui était consacrée aux réformes électorales. On peut. Alors, ma question, c'est de savoir. Ces députés-là disent que c'est.
toutes ces réformes vont favoriser la fraude électorale. Comment? Merci beaucoup, Madame Lilas. Je ne vais pas encore revenir sur les sujets déjà passés. Non, surtout bilan. L'économie. Laissez le Congolais le pas, juger. Ouais, je ne peux pas encore. Qui est en misère ou qui n'est pas. Je ne peux pas encore revenir sur ça. Oui. Mais quand même, les Congolais nous ont suivis. Et ils ont compris qui a tort et qui a raison. Même sur ce plateau, mon co-débatteur sait que j'ai raison et il a tort. Il essaie. Okay. Avec le problème de la proposition de la loi électorale, bon, le FCC devrait quand même comprendre aussi une chose. La loi Lokono, G13, on avait proposé ensemble avec Louba et les autres. Ce n'est pas une loi d'abord, c'est une proposition de loi. Vous savez, un travail, pour qu'il puisse d'abord refléter vraiment la bonne qualité, il faudrait que nous puissions d'abord le commencer quelque part et amender ensemble dans l'équipe. Je pense que ça va quand même donner un produit vraiment fini que le peuple attend. Si on se réunissait ensemble dans l'Assemblée nationale pour dire nous devons commencer maintenant avec la proposition de loi, ça devait encore nous prendre des années et des années. Notre souci, c'est quoi? C'est d'aller aux élections. Nous voulons aller aux élections, mais nous devons commencer par préparer la loi électorale. Là, en tout cas, je n'en disconviens. Avec la position du FCC, ça n'engage que le FCC et les députés nationaux qui avaient tenu leur point de presse. Mais au moins, je suis en train de voir l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt, c'est quoi? Lorsque j'ai eu quand même le temps d'accéder au point inscrit dans cette proposition de loi Lokono, il y a certains points aussi importants que nous devons soutenir et aussi d'autres points que nous devons élaguer. Entre autres, lorsqu'on évoque le problème du seuil électoral à 1%, le seuil électoral en soi, j'étais toujours contre ça. Parce que si vous lisez la Constitution dans son article 5.1, vous comprendrez que c'est vraiment une violation flagrante de la Constitution. Ça veut dire qu'un indépendant n'a pas qualité de se présenter aux élections et gagner aussi vraiment les sièges. Pourtant, l'article 5.1 nous dit chacun peut se présenter sur la liste du regroupement politique, parti politique, ou il peut se représenter en indépendant. Maintenant, avec cette réforme du seuil électoral, je pense que ça va restreindre même la liberté de la personne. Et la personne ne pourra même pas aussi servir son peuple. Mais c'est ça comme déjà ce qui se passe maintenant avec la nomination des gouverneurs, disons l'élection des gouverneurs de province. Voilà pourquoi le problème du seuil électoral, personnellement. Des problèmes, hein? Oui, personnellement, moi, je condamne ça. Je voudrais que la loi électorale soit revue et afin qu'on puisse élaguer cette disposition. Deuxièmement, vous savez aussi, avec les élections des gouverneurs et sénateurs, là-bas, il y a une corruption à outrance. Comme l'élection s'est faite au second degré, ça veut dire les élus des élus. Il y a les députés provinciaux qui doivent élire les gouverneurs de province et aussi les sénateurs. Les billets de banque qui circulent. Ça circule facilement. Ouais. Il faudrait que les gouverneurs soient élus. Moi, j'avais pensé d'abord à deux possibilités. La première possibilité, il faut que les gouverneurs soient justement l'émanation de la population. Il faut que le peuple lui-même se choisisse quand même ses dirigeants. Nous voulons tel gouverneur, nous voulons tel sénateur dans ce sens-là. Si ça ne va pas tenir comme ça, il faudra aussi réduire les taux du tribalisme, revenir à ce que Marshall faisait. Là-bas, on va avoir la connotation des commissaires spéciaux. Donc, ce n'est pas commissaires généraux spéciaux, commissaires spéciaux. Donc, le président de la République, soit le ministre de l'Intérieur, peut avoir le pouvoir dénommer un gouverneur de la province. Là, ça sera pas encore. Là, je voudrais. Nous décrions ici. Ça non, sera là, je voudrais. Qui met quelqu'un. Non, non. Là, je voudrais. Là, je voudrais que ça ne soit pas mal les originaires. On veut nommer un gouverneur dans la province du Haut-Katanga. Le premier ministre de l'Intérieur ou le président de la République peut nommer quelqu'un du Grand Bangui pour être gouverneur de l'autre côté. C'est ce que Mobutu jouait avec cette stratégie. On luttait beaucoup plus contre le tribalisme. Quand même, c'était quand même une bonne chose. Mais ça, c'est aussi une parenthèse que j'ai ouverte. Mais quand même, mon idée principale, c'est celle d'éradier les élections des gouverneurs et sénateurs au niveau des assemblées provinciales. Comme ça, le peuple va voir son pouvoir. Troisièmement, la suppléance électorale. Madame, vous allez voir quelqu'un qui postule en tant que député national, son premier suppléant, c'est son fils. Et sa deuxième suppléante, c'est sa fille ou c'est sa femme. C'est du n'importe quoi, mais dans les partis politiques. On doit se tenir compte de ça. Vous avez postulé en tant que député national. Votre premier suppléant doit être quelqu'un d'autre. Il ne doit pas être membre de ta famille, du parti. Quand même, c'est une bonne chose. Quatrièmement, quelqu'un ne peut pas se présenter en tant que député national, candidat député national, candidat député provincial, candidat président de la République. Non, ce n'est pas possible. Vous postulez pour devenir député national, tant mieux. Laissez aussi la place pour député provincial et les autres. Là, ça va quand même vous aider à marcher comme ça. Là-bas, la loi Lokono propose aussi
propose aussi les comptages de voix bureau par bureau. C'est ce que la CENI de Nanga n'est pas arrivée à nous donner. Si on nous donnait les résultats bureau par bureau, on sait que ce bureau a fait tel vote, il y a eu telle élection, et tous les témoins dans le bureau de vote ont leur PV de surveillance ou d'ampliation, je ne sais pas, dans le centre. Là, quand même, ça aurait été une bonne chose. Mais on ne peut pas nous imposer, on nous dit non, on envoie directement les résultats du centre. Non, on ne peut pas envoyer les résultats du centre, il faut que nous puissions commencer par les résultats bureau par bureau. Moi, je pense que le FCC, si... Et puis, il y a ce qu'on dit, interdiction de distribuer de l'argent, des biens... Et pendant la campagne électorale. J'ai aussi aimé ça, madame. Mais ça, ce n'est pas ce à quoi nous, les Congolais, nous sommes habitués. Non, madame. Moi, d'ailleurs, ça, j'ai aussi aimé cette proposition-là. Pourquoi? Vous savez, avec tous les ministres qui sont actuellement dans le gouvernement Samalou Kondé, je vous dis bien, tous les ministres sont des candidats en 2023. Les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux, à leur niveau sénateur. Vous allez voir que lorsqu'on va tendre vraiment vers la fin de leur mandat, ils vont commencer maintenant à chercher, tirer des moyens de l'État par-ci, par-là, justement, pour se faire un peu de place dans le cœur des Congolais. Mais si on va élaguer cette disposition, les Congolais doivent s'opérer vraiment le choix idéal. Un choix vraiment idéal pour dire, en tout cas, nous nous voyons par rapport à ce que Lila, la manière dont Lila nous a toujours défendu, la manière dont il s'est toujours battu pour la population congolaise, la manière dont, même s'il ne va rien nous donner, nous allons quand même porter notre choix sur la personne. Ah, mais ça, voilà. Vous savez que le Congolais aussi est habitué au cadeau. Hein? Non, non, le Congolais n'est pas encore dit. Le Congolais aujourd'hui a compris que non, mais personnellement, il n'est pas encore question de venir me donner le polo ou du sucre ou du sel ou je ne sais pas quoi, l'argent pour voter. Et vous donnez de l'argent, parfois ils vous bouffent. Moi, je connais des personnes comme ça, ils ont corrompu, ils donnaient beaucoup d'argent, mais au finish, ils n'ont pas été élus. Pour revenir à la déclaration du FCC d'hier, ces déclarations, moi, quand je faisais les débats avec mes amis, mes camarades du FCC, je leur disais ceci. Avec la commission dirigée par Mbata, Mbata vraiment avait traîné avec sa commission. Mbata avait dit, avait appelé presque toutes les parties prenantes. Venez pour faire les différentes propositions. Afin d'avoir des animateurs à la CENI, afin d'avoir tout ça, tout ça. Mbata avait lancé vraiment l'appel à maintes reprises. Mbosso lui-même avait donné des dérogations en dérogation. Il y a FCC parfois qui joue aussi quand même les double G. Il y a Lamouka qui joue les double G. Mais tout ça, vous avez suivi l'appel d'Adolphe Mouzito. Il dit non, nous voulons un cadre de concertation. Tout ça, ce n'est qu'un dialogue. Aucun politicien à l'heure actuelle ne veut des élections. Tout le monde veut d'abord que nous puissions être autour d'une table, okay, faire le partage des gâteaux. Comme ça, chacun doit travailler, avoir des moyens pour que nous puissions nous lancer maintenant dans la course pour donc, les élections. Ces réformes de l'ordre, vous êtes d'accord. Et maintenant, si le peuple, le FCC se dit, nous n'assistons pas. Déjà, elle devait avoir hier lieu cette plénière-là, elle a été reportée à mercredi prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Je me rappelle très bien le 25 décembre 2017, 16-17 2017, le 25 décembre, lorsque Joseph Kabila avait promulgué cette loi que nous avons électorale, il y a l'opposition qui avait saisi la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Lorsque l'opposition a saisi la Cour constitutionnelle, cela n'a pas empêché le processus électoral. Ils ont saisi, bien, c'est bien bon, mais quand même les élections ont eu lieu. Donc je ne vois pas FCC aujourd'hui se dire, non, en tout cas, nous ne sommes pas partants pour cette loi. Et vous verrez, en 2023, quand il y aura élection, ces mêmes personnes viendront encore déposer des candidatures. Donc là, on ne peut pas vraiment gâcher notre temps. Nous savons que la politique de la chaise vide n'a jamais profité. Voilà, donc allons seulement aux élections. Monsieur Félix Kayembe, par rapport à ces réformes électorales, qu'en pensez-vous du fait que le FCC boycotte ces assises-là pour en parler? Bon, moi, j'avais dit que c'est un jeu démocratique. Vous savez, nous-mêmes, en 2006, nous, l'UDPS, nous avions refusé d'aller aux élections, ce qui était plus grave pour nous, mais on avait assumé notre position. Mais la République a continué à faire son bon nombre de chemins. Et donc, si on n'a pas les arguments pour argumenter, bien entendu, au sein de l'hémicycle, je ne vois pas comment est-ce que vous allez sortir dehors pour faire une déclaration. Si vous avez quelque chose à reprocher, c'est au niveau de l'Assemblée nationale où vous devez dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous proposons ça, ou soit vous votez contre pour que ça ne puisse pas passer. Mais si vous sortez dehors, c'est une fuite en avance. Vous savez, le FCC nous dit, le problème n'est pas d'ailleurs à ce niveau-là. Le FCC vous dit, écoutez, si Denis Kadima avec son bureau sont là où ils sont, nous n'allons pas aller aux élections. Et donc, ils ont voulu juste pour tromper l'œil, pour dire, écoutez, monsieur, nous ne sommes pas d'accord avec Denis Kadima, comme pour dire, nous n'allons pas aller aux élections, et ils commencent à fuir. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas un candidat
qui vont présenter au niveau des élections présidentielles et qu'elle commence à chercher comment est-ce qu'il peut y avoir peut-être un dialogue, une négociation au moment où nous sommes préparés pour aller aux élections de 2023. Deuxième des choses, moi je suis très content pour qu'il y ait cette réforme électorale. Je ne peux pas comprendre avec cette histoire d'essai. Et donc, ça fait en sorte qu'une personne qui a eu moins de voix puisse devenir député. Pourtant, la personne n'est pas accepté par la population. Mais si vous vous retrouvez dans une circonscription ou dans un parti politique où quelqu'un a eu beaucoup de voix, il doit appeler d'autres personnes. Et donc moi je me dis, il faut que nous puissions d'abord voir les problèmes d'essai pour que chaque personne qui vient avec son projet de société, qui doit défendre cela devant la population et que la population puisse voter la personne et ça doit passer. Deuxième chose, on n'est pas d'accord avec une personne lui-même là est député, sa femme sénatrice, son fils, je ne sais pas, député national. Et au niveau national, il est en train d'influer. Au niveau provincial, il est en train d'influer. Donc, je me dis, il faut qu'une seule personne puisse avoir comme suppléant quelqu'un de son parti politique qui n'a rien à la relation familiale. Là, ça va nous aider. Deuxième chose, madame, il faut que nous puissions encore revisiter cette loi électorale par rapport au tour des élections. Est-ce que nous devons rester toujours à un tour ou soit il faut que nous puissions aller au détour. Moi, je suis pour que nous puissions aller au détour. À ce moment-là, le peuple... aussi quand même. Hein. Un débat contradictoire, oui, comme je suis en train de voir en France d'ici les 15, je crois. Le Pen avec Macron, vous voyez ce que ça fait. Nous sommes pour le débat contradictoire. À ce moment-là, les électeurs peuvent se décider pour dire, en tout cas, avec le projet de société de cet homme, nous trouvons que c'est ambitieux, nous trouvons que c'est porteur même de bonheur et d'espoir que nous puissions nous allier à cela. Et je me dis, même avec les machines à voter, est-ce que nous allons partir encore avec des machines à voter ou ça doit y avoir les bulletins de vote? Voilà. Donc moi je me dis, il y a tellement beaucoup de choses que nous devons faire. D'ailleurs, on dit, en science, la science n'est pas statique, elle est dynamique. Nous ne pouvons pas nous être figés par rapport à ce qu'on a vécu en 2018, c'était fait d'abord à dessein, ni c'était la clairvoyance de Félix Tshisekedi pour dire nous devons partir avec une seule machine à voter, et donc aujourd'hui on pouvait parler autre chose. Je me dis, il faut que les amis puissent se ressaisir et que nous puissions aller aux élections 2023 tout en acceptant qu'il y ait la réforme électorale. C'est aussi ça la beauté de la démocratie, mais on ne peut pas refuser aux gens de vider l'hémicycle. Ça n'aura pas les conséquences parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons. Il n'y aura pas de marche, madame. Vous savez, aujourd'hui, ce que j'aime en démocratie, c'est la loi de la majorité qui joue. Et donc, si la minorité quitte, la majorité vote et que la loi passe majoritairement, même ceux qui ont quitté l'hémicycle doivent subir la loi de la majorité. Et donc, au lieu de quitter l'hémicycle, je pense que aucune thèse n'est exacte, ce n'est en contraire son antithèse. Ce n'est pas céder des hypothèses qu'on progresse au dénouement et du champ d'idées jaillit la lumière. Venez avec votre antithèse, nous avons notre thèse et débattons. Celui qui doit avoir la raison doit primer. Mais ici, nous avions vu tout simplement les gens qui ont dirigé. C'est une fuite en avant, vous pensez? C'est une fuite en avant parce qu'ils se disent, écoutez, les Congolais sont éveillés. On ne voit plus nous revenir au pouvoir. Nous avions géré pendant 18 ans. On a échoué sur toute la ligne. Et donc, il faut que nous puissions passer par les négociations. Nous sommes fatigués avec les négociations. Malgré qu'on nous a laissé les avions, ils ont quand même... Non, on ne nous a pas laissé les avions, madame. On nous a laissé la GECAMINE en berne. On nous a laissé la NCCC en faillite. On nous a laissé les peuples qui fouillaient la République démocratique du Congo pour aller en Angola et ailleurs. On nous a laissé la dictature. Et voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui, nous sommes en train de refaire les choses. Merci, Félix Aimé. Merci, Oscar Lukusa. Merci, madame. Merci, madame. Merci pour cette belle émission qui va passer tout le long du week-end. Hein, donc, restez branchés sur APIC. Et vous verrez vous-même pour faire votre propre jugement sur vos analyses et pouvoir vous améliorer. Ça, c'est, on espère ça de vous. Alors, merci à toute l'équipe technique qui, malgré la pluie, est venue pour m'accompagner dans cette émission. Je vous dis merci à vous les cadreurs, Jody Maé, Magé, Rodingoma. Merci à Depicho Kabasele. Et merci à vous qui nous suivez. Je vous retrouve le lundi. Au revoir.